bien salut mes petits chouchous, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur Assassin's Creed Odyssey. Bon, on va faire quoi maintenant? Alors, inventaire. Hein? J'ai un truc dans l'inventaire? Ok, ça paraît être plongé. Pourquoi est-ce qu'il y a une mise à jour dans les mercenaires? Non découvert. Ah d'accord, il y a plusieurs échelons en plus. Waouh. C'est quoi ça? Les forgerons réduisent aussi le coût de leur service de gravure de 20%. Donc il y a un intérêt à les tuer, d'accord. Mais c'est trop nice ça, sérieux. Est-ce qu'on va faire le travail de mercenaire vite fait? Allez, on va vite fait aller faire le travail de mercenaire et après on retournera sur la quête principale. Salut! J'aurais dû me douter, Ilos, que c'était toi qui voulais ces peaux. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Cassandra est toujours sur la brèche. Ne le dis pas à Marcos, il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours la première. À quoi serviront les peaux cette fois? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux et richesse pour moi. Voilà, elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement, tu l'as mérité. Évite les ennuis, Ilos. Et toi, suis les conseils que tu donnes. Ok. Donc je l'avais déjà faite. Enfin, j'avais déjà les trucs qu'il fallait pour pouvoir... Bon ben, ça aurait été plus vite que prévu du coup, hein. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ah, il y avait un truc que je voulais faire, c'était aller prendre la tour qui se trouve là-bas. Parce que je me suis pas encore synchronisé avec, donc ça serait peut-être bien d'aller le faire. Bonjour, vous allez bien? Ah, le soleil, l'été, tout ça. Ouf. Ah oui, d'accord. Ça va être chaud patate pour y aller, quand même. Hein. Un petit peu, hein. Juste un petit peu. Bah, comme ça, on peut explorer les plaines. Ah, attendez, j'ai même pas regardé. Elle fait quelle taille, la map? C'est... Non. Elle est énorme. Il y a plein de petites îles et tout. Oh mon dieu. J'ai vu une île qui s'appelait Thanos ou j'ai rêvé? Ah non, c'est Thazos, pardon. Punaise. Vous êtes en train de me dire que la map est plus grande que celle d'Assassin's Origins? Eh ben... En même temps, je crois que ce jeu a eu un plus long temps de développement que Assassin's Origins. Parce qu'il était en développement pendant que Assassin's Origins était en développement, donc... Bon, on va y monter, hein. Ah, une grotte dans le coin, on dirait. Je peux monter sur le pied? Ouais. Ça va. Ah, c'est génial. Oh, on monte sur le fessier là. Ah, on est sur le fessier là. Regardez-moi ce cul. Ah, c'est cool maintenant. Il n'y a même plus besoin réellement d'avoir de prise. Encore heureux qu'on n'a pas un système de stamina comme dans Zelda. Ouf. Oh, je me sentirais pas bien moi. Honnêtement, je me sentirais pas bien là. Regardez-moi tout ça. Hihi. Quelque chose ici ou pas? Ouais.
Et les cendres? Non. S'il te plaît. Ah. Comment je descends? Allez, plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Allez, on descend. Allez, on descend plus vite, plus vite. Voilà, excellent. Bon, allons voir le monsieur. D'ailleurs, après cette caisse, je pense qu'on ira prendre les petites caisses secondaires là sur le côté. Ah. Ah, mais si je devais vous demander de choisir entre ça et Tomb Raider. Alors, je vais prendre sa quête. Comment c'était avec Marcos? Oh, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? Ce n'est pas ça. Il me met seulement dans des situations dont je dois me sortir toute seule. Tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça. Merci pour le conseil. Non, oh, de rien. Que veux-tu, Phoebe? Tu connais Kaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Ikaros! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire! D'accord. Je vais aller voir ça. Ah, te voilà! Et ce n'est pas trop tôt! Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Alors? Ton plan? Oui. Le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes? Et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Mais c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Cassandra? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Génialissime. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché.
Ah ben voilà la tâche la plus dure. Trouver l'œil. Voilà, il y a une bête morte là. Alors ça quelqu'un. Ah non, celui du minerai, pardon. En tout cas, notez bien que Cassandra peut ramasser casser du minerai à main nue. Bonjour, œil. Je te vois. Du coup, j'aimerais bien avoir les détails sur le fait comment est-ce qu'elle a eu son aigle, en fait. Parce que la gamine était en mode, oui, c'est un cadeau de Dieu, c'est tout. On va bien savoir c'est quoi son aparté, là. Pas du moins, c'est bien. Ah, on entend du cyclope. Oh, s'il vous plaît, me dites pas qu'il faut des coups. Oh, merde. Je dois me montrer prudente par ici. Ouais, ou alors je peux tuer tout le monde, ça revient au même. Je peux pas juste tuer tout le monde. Oh, génial, il y a même des chiens, quoi. Comment je fais quand il y a un chien, moi? On n'a jamais dit de... comment faire quand il y avait un chien, hein. En plus, c'était là toujours pas groupe de trois. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Malaka. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. What? Tu vas mourir, mystios. Ok. D'accord, il y avait un garde ici, c'est génial. Viens ici, toi. Si vous voulez tous venir vous battre, y'a pas de problème à moi. Viens ici. Oh, t'es quoi ça? Truc à côté. Déjà, je vais le mettre ici. On va aller dans l'inventaire. Vous savez bien que moi, l'infiltration, ça finit toujours mal, de toute façon. Énorme lourde quand même ça. Quick. Du coup, est-ce qu'on aura la lame secrète? Gerber le personnage là à droite. J'ai pas les tripes pour ça. J'ai trop mangé de foie gras à midi. Wow, la portée de l'assassinat quand même. Je me sens mal, capitaine. Bim, dans le cul. Ah, il était vraiment en train de gerber apparemment. Il y a des nouvelles bobottes. Ah ouais, mais il y avait plus 4%. Ah non, bah ça revient même en fait. Est-ce que je peux tuer le chien en hauteur? Attends, c'est pas un chien ça. Un tigre. Ne laissez pas approcher cette bête. Oh, oh. Qui vont la tuer? Je
plus on va se fighter un peu. Je crois qu'elle l'a tué, je suis pas sûr. Ouais, elle l'a tué. Comment elle sait où je suis? Et voilà, on va aller. Oh, j'ai eu un pain. J'adore les pains. Bon, casse-toi, toi. Où est donc le coffre? Ah! Sûrement ici. On spamme le triangle. On spamme le triangle. Une torche. Ouais, bah génial. Ça va même pas up. Tu peux baisser la porte? Non. Ouh. Allez, file-moi tout ça. Ouais. Mais il y avait de la bonne carotte là. Il y avait de la bonne boubouffe. Putain, j'entre en mode gros radin là, il faut un max de thunes. Bon, d'un côté je m'en branche, je me fais spotter de toute façon. En tout cas, je m'attendais à un truc vachement plus dur hein, quand même pour pouvoir. Lance. Je sais pas, tu te dis, ouais, c'est le cyclope, tu vas galérer un peu, mais. Oh merde, oh merde! Merde. Il me reste sur moi. Il y en a un autre. Le gaz. Zeus, le cyclope ne plaisante pas. On va pas passer par là en vrai. Bon, il est où? Mais non! Putain, comment il a su que j'étais là? Je vais me foutre là, on va être discrétion absolue. Icaros veut être utile, on dirait. Dire que moi pour chasser je faisais un truc, je prenais le cheval et je les tapais les mobs, ça allait plus vite. D'où je l'ai loupé? On va quand même prendre les trucs, ça peut être utile. D'où je t'ai loupé? Tiens! Ça marche mieux comme ça. Allez. Ah! J'ai vu récupérer. J'ai rêvé. Ah, je me disais bien que j'avais. Ah, j'avais pas rêvé. Hey, qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Mais si l'aucun ne m'est, mes chéris. Malaka, je ferais bien de m'occuper de ça. Mais ils sont où les ennemis? Qu'est-ce qu'ils font?
chien. Oh, la violence. J'aime bien. Ta vie est déjà finie. Tu suis Spartak. Je sens tes membres quitter. Ouais, c'est surtout la chaîne qui te quitte là. Ouh, dans les boules. Quick. C'est bon, on a tué tout le monde. Attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire discrète. Tout ça pour une saleté de caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, ma chère. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Ouais. Tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quere, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et ? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour ? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les ! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Toi ? Mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches! La côte Est? Tu ne pourrais pas être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois. Au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Bon, je garde un peu de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien? Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Quelle magnifique devise, dis donc. Alors on a gagné un niveau. Huit d'armure. 4% de dégâts du terrier, changer un, donc on casse. Quoi ça me dit? Ah! 32 DPS, mais l'avantage c'est que la lance est plus rapide. Aptitude, s'il te plaît. Allez. Alors, donc on va avancer dans l'histoire. Alors... Concentration de la force intérieure pour libérer notre... rien. Ah, c'est ça, t'as plus le temps de charger. Intéressant, ça. Bon, du coup... Next quest.
On est niveau 4, bientôt on aura... Enfin techniquement on a le level pour pouvoir affronter ce monsieur Talos là. Par contre j'irais bien prendre la quête... Ça se prend ça? J'irais bien prendre la quête en bas là. Bouge pas! Si. Bon, toi là, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. C'est possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas... Je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord. Rassure-toi, je vais y aller. Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? En tout cas, soit sacré ou pas, il y a de la ressource. Il y a pas d'obsidienne sur l'île, et là c'est quoi? C'est quoi cette obsidienne là, hein? Faudrait pas un peu de ma gueule le jeu? Par contre, la porte est vraiment naze. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait... Il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Mais faut éviter qu'on me voie ici. On va donner n'importe quoi, on va tuer tout le monde et c'est bon. Tu connais la règle du XVSK, hein? Si on tue tout le monde à chaque fois. Salut! À un moment, j'aimerais vraiment que la caméra soit moins proche du personnage. Hein. Donc les mecs ils viennent de passer à côté de leur pote mort, et rien à foutre hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Salut! Est-ce que je peux faire une double élimination ou pas? Ο σύζυγος Σιμών Τέντρου.
Oh! C'est du Sparta! Ils ont vu la scène de Stamina. Tiens, ta gorge, bitch! Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Et voilà la suite. Allez, trouve-moi de quoi faire, grosse. Putain, par contre, j'ai l'impression qu'on gagne quand même pas mal de ressources, hein. Enfin, on en gagne. On en gagne pas mal. Ce qui est pas plus mal en soi. Oh. Par contre, les ressources sur les murs, hein. Une première, je crois. Putain, la meuf, elle défonce tout à main nue, quoi. Un caillou, bam, main nue! Je suis quand même curieux, j'ai envie de voler les offrandes pour le LOLs en vrai. D'ailleurs, ça mène. Ok. Bon, ça fera un petit détour, hein. On profitera du paysage. Oh yeah! La récolte va être très très bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme bon samedi. Ah, ça fait proche. La maison abandonnée et les gens. Ok, bah, c'est pas bon, on est pas trop loin. On est pas trop loin, c'est cool. Oh, les trois mêmes chefs qui ont repop, quoi. Bien loupé. Bon mec, c'est quoi ton offrande? Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais, des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire. C'est tout? Une flèche ordinaire? Allez, c'est toi. Regarde, regarde. Pite dans le cul. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a looté? Parce que j'ai vu qu'on avait looté une espèce de masse lourde. Ah, ouais, mais c'est du lourd. C'est ça le problème, c'est que c'est du lourd. Ça me casse un peu les couilles que ce soit du lourd. Mais bon, vas-y, on va essayer. Mais ça sera pour le prochain épisode, les loups. Allez! D'abord, on va voir ce qu'il y a là. Oh, oh, oh. Ah, pas mal. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'avoir la houii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 i